Le mouvement associatif Lien National continue de souder les convictions derrière le régime de la rupture. Ils ont procédé ce 29 novembre 2020 à l'installation des coordinations communales de leur mouvement dans les communes de Djidjaï et Abomey, comptant pour la 23e circonscription électorale. C'est pour moi un honneur, mais aussi une grande charge dont je mesure la portée et l'importance, combien de fois patriotique. La cérémonie qui nous réunit ce matin a pour nous une importance capitale. Elle est non seulement une cérémonie d'installation de structures de base de Lien National, une organisation qui se distingue par sa singularité, mais aussi et surtout une assignation de mission pour programmer la bonne nouvelle du développement de notre pays, le Bénin. Dans l'accession à la magistrature suprême de son excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, notre pays a suivi des mutations positives dans tous les domaines. Ces réalisations, initiatives et réformes donnent un visage à notre pays dans le concert des nations. Il est donc important de les faire connaître à toute la population. C'est à cette mission que mes camarades et moi allons nous consacrer dans les jours à venir. Pour Boniek Anagonou, coordonnateur départemental Zou, c'est l'heure de resserrer les rangs autour de leur idole. Il est important de le soutenir. Comme je l'ai dit, il est venu pour réformer et pour métamorphoser le Bénin. C'est important de le soutenir. Mais il y a un autre pari qui nous attend et qui nous guette. C'est le pari de la mobilisation. La mobilisation est pour un seul but, celui de faire briguer Patrice Talon second mandat, indique le président Smith Awandjinou. L'ambition du Lien, c'est que d'abord c'est une association formellement enregistrée et nous militons de façon ramassée pour l'épanouissement de la jeunesse de notre pays. Mais nous sommes donné une mission zéro, qui est la relation du chef de l'État, l'accompagnement à l'accroissement du taux de participation des élections présidentielles de 2021. Et pour ça, parce que nous avons constaté qu'il y en a qui, à cause des guéguerres personnelles, individuelles, ne veulent pas, parce que tel est dans BR, parce que tel dans l'UP, parce que tel dans l'UDPN, ne voudront pas continuer d'apporter le soutien au chef de l'État. Il y a quelques indécis. Et donc, on a trouvé que ça sera bien que nous ayons une organisation un peu neutre, qui n'aura pas de parti pris au niveau de la mouvance plurielle, okay, qui donnera la main, qui peut aller aisément discuter avec les indécis, même parfois même avec les jeunes opposants. Lien National, parce que lié par la nation, lié par les enjeux actuels et futurs, continue dans ce slogan, par défendre ses idéaux dans les autres circonscriptions électorales. Le président Talon est un aménagiste hors pair. Il est un aménagiste hors pair parce que il partage la richesse nationale de façon équilibrée.